session. Pourquoi est-ce qu'on essaie de s'en échapper comme d'une toxicomanie? Est-ce qu'être possessif, c'est être toxique? Est-ce qu'être positif, c'est avoir décollé de la réalité? Est-ce que ça a l'air souhaitable? Qui nous dit que c'est pas mieux d'éviter? Pourquoi fait-on à ce point confiance à la logique de notre cerveau? Le libre arbitre, c'est un fait ou une croyance? Est-ce qu'on a peur de dormir toute sa vie? Est-ce qu'il existe une liste des choses qui ne changent jamais? Ça veut dire quoi, la peur de vieillir? Est-ce que c'est comme la peur d'avoir déjà vécu le meilleur? Pourquoi c'est mal de poser trop de questions? Pourquoi c'est mauvais signe d'être confus? Ça veut dire quoi avoir l'esprit clair? Est-ce qu'être clair, c'est être neutre? Est-ce que c'est souhaitable d'être neutre? Est-ce qu'avoir le choix, c'est pour tout le monde? Putain, mais c'est qui tout le monde? C'est quoi le chiffre maximum de gens qu'on peut rencontrer dans une vie? C'est quoi cette publicité permanente pour la dépendance? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il existe un recueil universel des listes? Est-ce que quelqu'un a-t-il écrit le livre des réponses? Que l'indépendance, c'est avoir toutes les réponses. Thank you.